on a tout redécouvert des Gaulois depuis maintenant une quarantaine d'années, depuis que la recherche archéologique s'est emparée de cette période, puisqu'auparavant on avait très peu de sources sur les Gaulois et on avait surtout beaucoup de caricatures. Donc c'est la science, notamment archéologique, qui a permis de reprendre complètement le dossier et surtout qui a permis aussi de relire les sources antiques, donc les textes grecs et latins, qu'on lisait très mal, donc on interprétait un petit peu de travers. Donc grâce aux données matérielles qu'apporte l'archéologie, on peut beaucoup mieux lire ces textes anciens et les interpréter. On a toujours montré les Gaulois comme des grands guerriers indisciplinés, ce qui est totalement faux, parce qu'en réalité, ils ont été mercenaires de pratiquement toutes les nations méditerranéennes. Donc ils ont dû s'associer à d'autres corps armés, donc ils étaient capables de suivre des disciplines. Surtout, on a pensé qu'ils n'étaient capables que de faire la guerre. Or, ce sont des grands inventeurs, des grands artisans, donc en matière d'armement, en matière de moyens de transport, en matière d'habits, par exemple, ou en agriculture, en agronomie précisément. Ils ont fait des inventions absolument considérables. Donc ce sont eux notamment qui ont inventé le marnage, qui est le fait d'amender les terrains avec de la craie, et qui a permis de rendre fertiles des régions comme la Beauce, par exemple, qui avant ne l'était pas. Ils ont inventé la moissonneuse, par exemple, et tout un tas de véhicules. Donc ce sont vraiment des gens qui ont le génie de matériel, en quelque sorte. L'archéologie, ça nous renseigne que sur, par exemple, l'habitat, sur les objets. Donc ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas pour comprendre la civilisation, notamment la vie politique. Donc il y a une vie politique tout à fait intense chez les Gaulois. Donc là, on s'appuie sur les textes anciens, comme la guerre des Gaules de César, par exemple. Mais surtout, l'archéologie permet de beaucoup mieux comprendre ce que César a écrit. Et on sait notamment que César a recopié des choses qui sont plus anciennes, notamment dans la guerre des Gaules, qui sont des choses qui ont été écrites 50 ans plus tôt par un grand savant grec qui, lui, avait visité la Gaule et qui a vu de ses propres yeux un certain nombre de choses et qui sont justement confirmées par l'archéologie. Notamment, il a vu des sanctuaires avec des offrandes d'armes, avec des sacrifices domestiques, des choses comme ça. Et l'archéologie a montré que c'était vrai. Donc voilà, par exemple, le dialogue qu'on peut entretenir avec ces différentes sources.